Yu Bolin est un caméléon, un expert dans l'art du camouflage. La première performance de ce sculpteur chinois est née d'un choc, la destruction de son atelier par les autorités chinoises en 2005. Il choisit alors de disparaître parmi les ruines, comme englouti par un système qu'il juge injuste. J'étais debout devant mon atelier, il faisait très froid. J'ai ressenti alors quelque chose de très fort. C'est donc par pur hasard que j'ai créé cette première œuvre où l'environnement s'emparait de moi. Depuis, sa technique s'est perfectionnée mais n'a jamais varié. Il choisit d'abord un lieu. Le voici en mai dernier dans une pharmacie parisienne. Ses assistants peignent son costume militaire et copient à l'identique les éléments du décor qu'il a choisi. Ils finissent par ses mains et son visage. Très directif, le plasticien corrige chaque détail. Il peut tenir la pose pendant des heures jusqu'à se fondre totalement dans le décor. Avec le temps, ses œuvres ont évolué. Au début, je pense que son travail parlait de Yu Bolin en Chine, c'est-à-dire son regard qu'il avait sur la Chine, ses préoccupations par rapport au changement de la Chine, que ce soit au niveau de l'urbanisation complètement excessive, que ce soit de la politique, avec son travail autour des slogans. Et on se rend compte que petit à petit, son travail évolue, c'est-à-dire que c'est plus Yu Bolin, c'est un être humain finalement. C'est-à-dire qu'il a son identité est complètement niée, parce qu'on ne le reconnaît même plus dans ses images, et c'est devenu un être humain. Et notamment sur des images assez fortes comme les supermarchés, où finalement on se retrouve tous dedans,